On enchaîne tout de suite parce qu'on est en retard. Christian Bugeaud avec un petit exercice, enfin, un sketch si vous êtes d'accord. On propose un sketch à l'invité. On s'est dit que vous pourriez reformer votre couple des visiteurs avec Charline. Mais cette fois, les visiteurs, le visiteur, c'est un migrant. On y va tout de suite. C'est un migrant? Oui. Chérie, le migrant est arrivé. Alléluia. Remercions le Seigneur. Alors, vous n'êtes pas le migrant, vous êtes, Êtes le mari. Ah, oui. Vous êtes mon mari. Ah oui, d'accord. Bonjour, bienvenue en France. Merci, ravi de vous rencontrer. Alors, où parlez France? Oui, j'ai appris les bases avec les CRS de Calais. Dégage, tes papiers. Ah, c'est formidable, vous venez d'où? D'Irak. Ah, mais c'est très beau l'Irak, l'Amérique du Sud, c'est un enchantement. Mon chéri, c'est pas en Amérique du Sud, enfin. Ah bon je crois confondre avec Dirigué. Je suis étourdi comme un hanneton. Oh, tu sais, l'Irak, c'est là où il y a de la pluie, du vent, puis des lutins. Non, ça, c'est l'Irlande. Ah, ah ben, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Un jour, on finit, ben, oublie sa tête. Faites attention, parce que ça, c'est arrivé à des amis à moi, d'où mon déménagement. Papa, c'est qui? Un ami de ta mère. Oui, c'est ça, on l'héberge pour gagner notre paradis. Et d'ailleurs, il va dormir dans ta chambre. Ah bon, je veux pas aller au paradis alors. Alors, pour tous ceux qui prient 5 fois par jour, on va vous aménager un petit coin là, dans la buanderie. Je ne prie pas 5 fois par jour, hein. Vous savez, bon, je suis pas si dévot. Ah bon? Vous avez une dispense? Lombalgie pour problème de genoux? Non, je ne suis pas musulman en fait, je suis chrétien d'Orient. Mais oui, bien sûr, ça, je vois comme le nez au milieu de la figure. Et puis on avait demandé explicitement un réfugié chrétien. J'ai la tête en l'air. Hein. Comment ça se passe chez vous, la cohabitation avec les Arabes? Vous avez appris la langue? Mais c'est-à-dire, je suis arabe aussi. Ça n'existe pas, les chrétiens arabes! Ah bien, je le découvre aussi. Moi, je ne comprends plus rien, moi. Je croyais que vous étiez de l'Orient. Non, je suis un chrétien d'Orient. Ah. Je suis pas un chrétien de l'Orient. D'accord. Excusez-moi, mais c'est un peu compliqué en ce moment avec les chrétiens d'Orient. Ah ben oui, je ne vous cache pas qu'on a connu des meilleures périodes. Oui, à cause des arabes? Non, à cause des djihadistes. Je ne comprends rien, maman! Non, plus. Vous savez ce que sont les djihadistes? Non, c'est bien sûr. Des extrémistes religieux. Ah, nous aussi on en a, je supporte pas. Il a imposé la messe en latin dans ma paroisse, vous vous rendez compte? Ça a dû être très violent, oui. Ah, d'ailleurs, vous la faites en quelle langue, vous, la messe? Nous, on célèbre la messe en arabe, bien sûr. Écoutez, le mieux, c'est que vous rentriez chez vous, là, je crois. Hein. Oui, on va plutôt prendre un étudiant allemand en Erasmus.